Là, tu dis que dans le vent, il aurait fallu une antenne plus porteuse. Bah, pour le vent, puis le courant un peu, ouais. Pour qu'elle soit, pour que la ligne soit moins inspirée. Le flotteur plat, tu ne parais pas là? Bah, pas trop, non, pas sur une pêche comme ça. Tu vois, là, j'avais pas vu la touche, par exemple. T'avais pas vu? Non. J'ai moins d'esquisse parce que moi j'ai là tu viens de j'ai enlevé un peu de fond. Pourquoi? Bah, vu que j'ai pas détecté la touche et les touches avant je les ai loupées, peut-être que je suis un petit peu trop, tu vois. Bah, la Somme, c'est une rivière où il ne faut pas pêcher forcément très lourd, même s'il y a un peu de courant. Et c'est une rivière où on sait qu'elle va donner sur la première heure, où il ne faut vraiment pas louper la première heure, parce qu'après, ça risque d'être compliqué, surtout quand tu es à plusieurs à amorcer, ou quand tu fais des concours ou des choses comme ça, où tu te retrouves à 40 au bord de l'eau. C'est en général, sur la première heure où ça va... Ça va donner. Où ça va jouer. Je sais pas. J'ai toujours connu comme ça. Donc tu es en train de me dire qu'il faut pas qu'il y ait un casque de caméraman qui bloque la première heure. Ah, tu vois ça? Ah, c'est quoi ça? Un petit chevesne, on dirait. Ou un petit id. On a plus un id. Vous avez des îles aussi alors? Ah, ici, il y en a un paquet. Vous en avez des gros aussi? Ah, il y en a sur Amiens, il y a des îles de 2-3 kilos. Oh là là, la canne, ça devait être... Ah, c'est... Moi, j'ai aussi pas, je l'avais vu, c'était... Alors, en pleine vie, c'est pas... Il y avait un truc sûr, c'était magique, c'est pas... Ah oui. Ils viennent aussi se réfugier parce que ça devait faire moins froid. Bah, il y a toujours eu du poisson sur ces secteurs-là. C'est pas loin des ortillonnages. T'as les ortillonnages qui sont complètement derrière. C'est un beau secteur. C'est dommage qu'on puisse pas y pêcher plus souvent à cause des promeneurs, des vélos. Ouais. Tu vois, on a remis plus léger. Ça, tout de suite, ça déclenche les touches. Pour les puisettes ou pas? Prendre des puisettes pour un poisson comme ça, ça ressemble pas à Paolo. Hein. Bah, en championnat, tu l'aurais cru. Ça dépend. Tout dépend où t'en es dans ton transport. Ouais, ça dépend. Hein? Ah, l'élastique que tu utilises aujourd'hui, c'est du quoi? Alors, c'est du 0,91 celui-là. En Preston. Ouais, en Preston. C'est le slip élastique. Le slip élastique, ça fait rigoler, mais c'est ça, c'est le slip élastique. Tu ne l'as pas présenté, ça. Parce que, ouais, bah, ça, c'est un élastique qu'on vend énormément, mais qui existe depuis. Ah oui, c'est le orange, le bleu, le jaune. Mais c'est... Ils ont une qualité vraiment exceptionnelle, ces élastiques. C'est le latex qui est une bonne...
Ouais, tu m'étonnes. C'est ça qui te fait les trous pour toi? Ouais, c'est tu fais les passes à vide et à mon avis il y a 2-3 plaques qui traînent sur le cou. Et t'en piques une, après t'en remets une boue, tu vois, j'ai rejeté une boue tout à l'heure. Et ça va refaire venir le carbone. Bon bah, je vais annoncer à Paolo que t'as fait une belle plaque encore. Une deuxième, hein, deux. C'est la deuxième, oh, il va. Oh, je vais vite lui dire, je vais lui casser le moral. Bon Paolo, tu me disais que comme t'avais vu... Bah, j'ai vu Sylvain faire une plaque. J'ai changé de ligne, puis j'en ai fait une tout de suite. En 3 grammes. En 3 grammes, avec un petit peu plus de traîne, j'ai mis 15. T'as mis 15 et t'as essayé de plus bloquer, ouais. C'est ça? Tu vois, mais elle était là, parce que là, je réessaye et j'accroche quand même. Enfin, j'accroche, non, c'est pas accroché, mais je ramasse. Je ramasse des herbes. Des herbes, tout ça, sur le fond. Il y en avait une qui était là. Et c'est ça qui vous bloquerait peut-être vos gardes. Et ça expliquerait peut-être les trous qu'on a. Normalement, tu t'attendais à avoir plus de poissons comme ça, déjà. Ouais. Normalement, ça aurait dû être des poissons calibrés comme ça. Ouais. Bon, encore un poisson ou deux, puis on y va, les gars. Oh. Là, tu vas arrêter, là. Ouais. Ça t'aurait bien fait, là. Voilà, on voit le jour et commence à tomber, hein. Temps de remballer. Ce que tu as fait aujourd'hui? Ouais. Alors, petite idée, Jean-Mimi. C'est toi qui l'as eu, hein, ça. Ouais, c'est mon. Si. On va peser ma bourriche, mais on dit pas le score, on va cacher, on va regarder le pesant tous les deux, on va cacher le score et on se garde ça que pour tous les deux. Ouais. Et lors de la publication de la petite vidéo que tu as fait aujourd'hui, bien, bien sympathique avec moi. Non, c'est pas ça, mais sympathique. Si. On fera un petit jeu. Celui qui trouvera le score ou qui se rapprochera le plus du score que j'ai dans ma bourriche, on lui fera gagner, bah, par exemple, tu vois, une tablette comme celle-là. J'ai cru que c'était une soirée avec toi. Oh. Tu vois. La tablette qui est là. Hein. La grande tablette qui est là. Alors, bien sûr, pas celle-là, une neuve, qui recevra. Dans le carton. Voilà, comment dans le carton. Bien la chercher. Écoute, la personne qui gagnera nous communiquera les coordonnées de son détaillant où il est susceptible de pouvoir la retirer. Et si c'est un détaillant qui travaille avec nous, qui est partenaire avec nous, on lui en fera parvenir là-bas. Donc, comme ça, il y aura un autre témoin pour bien voir. Voilà. En cas d'ex-écho, comment ça se passe? Alors, c'est le premier qui aura annoncé le poids qui sera vainqueur. Parce que voilà. Alors, pour participer, quand tu publieras la vidéo sur Facebook, c'est celui qui partagera et qui likera la vidéo qui pourra participer en annonçant le score. Donc moi, je vais te retrouver dans mes commentaires de Facebook. Voilà. Ça va être un petit peu de boulot pour toi. C'est...
Donc voilà, maintenant, à vous d'essayer de trouver le poids de cette petite bourriche.